Bonjour à toutes et à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Nous sommes au 24e épisode de Darksider 2. Voici où en est notre histoire. Un millier d'âmes avides de vengeance. Une grande bataille. Un ami retrouvé. La voie vers le puits est toujours fermée, cavalier. Mais il n'y a pas de porte sans clé. Alors, continuons sans plus attendre. Alors, je sais que là, on avait retrouvé donc la flèche de cristal. On devait essayer de visiter un petit peu les lieux qu'on n'avait pas... voilà, on n'avait pas fini, hein, clairement, de visiter. Mais maintenant, c'est parti. On y va. Sans plus attendre. Encore une fois, je ne l'ai pas eu, donc du coup, ça m'embête. J'utilise du coup dans le vent. Naise. Tu vas mourir, s'il te plaît. Ok. Ah, bon, bah, c'est pas grave. Ah, donc en fait, c'est des pièces de passeur. Ok. Oui, mais les objets uniques, on va attendre de toute manière. Hein. C'est vrai qu'on a récolté pas mal d'argent depuis dans le jeu. T'es gentil, mais j'avais appuyé sur le bouton pour pouvoir aller assez rapidement, on va dire. Voilà. C'est ce que je veux faire. Mince, pas se prosterner, mais défoncer. Allez, arrêtez de bouger là. Laisse, mais laisse. Moi, te coller ça. Ah, ça fait rien comme dégâts en fait. Allez, toi tu vas mourir. Ça c'est fait. Bon, on arrive bientôt aussi au niveau 18, c'est plutôt intéressant. Est-ce qu'on doit faire quelque chose de particulier? Alors attendez. Là, c'est bien, il manque une boule explosée. Mais je ne vois plus vraiment le lieu. Ce qui m'embête. On est où nous? Attendez, je voudrais regarder où on est. C'est bien la flèche de cristal. Mais là, il nous indique rien. Là, c'est Dust. Et nous, on est carrément là-bas. Dust, qu'est-ce que tu vois? Je ne crois pas qu'elle voit grand-chose. C'est le moment de te rendre utile. Je peux pas aller par là, d'accord? Donc il faudrait qu'on chope une boule. Je sais pas comment je vais m'y prendre, mais je dois réfléchir. D'accord, bon, c'est pas ça. Ça va être embêtant, je pense. À moins qu'on peut la jeter par au-dessus et ainsi être tranquille. Nous verrons cela. Hmph!
Non, c'est pas trop le cas. Ça m'embête grièvement. Ah. Non. Le pistolet. Pierre de puissance. Bonne question, comment pourrais-je? Je teste quelque chose. Ok, donc il y a bien quelque chose à faire. Quand même une certaine distance, non? C'est pas trop loin alors, j'espère. Ça devrait être jouable. Ah, non. De très peu. Je peux pas le choper là. Ah. On va descendre. Voilà. Mais c'est bon. Je m'en doutais que ça allait être encore un truc comme ça, hein. De toute manière, on est habitué dans le jeu. Hein. Mais ça n'a pas fait ce que je recherchais au début en fait. Je savais pas qu'on pouvait tranquillement voilà, se mettre en dessous sans que la bombe n'explose. Parce que c'est vrai que dans le premier on était habitué à ce que celle-ci explose directement au bout d'un certain temps. Des ténèbres et dans la lumière. Je te vois, cavalier. Les choses que tu as faites, les vies que tu as fauchées. Je sais pourquoi tu es là. Alors donnez-moi la clé. Je protège cette clé depuis des siècles. Elle est à moi. Tu ne l'auras pas si facilement. Pas maintenant. La corruption s'étend. Dans nos cœurs, dans nos villes. Moi seul reste pur, un flambeau contre les ténèbres. Trop faible pour les repousser. Ce n'est pas mon cas, Harkon. Peut-être pas. Après la rupture des sceaux et l'invasion des légions infernales, maintes reliques ont été perdues. L'une d'elles, le bâton d'Arafel, pourrait m'aider à changer les choses. Je n'ose aller le chercher moi-même. Les portes de la Cité Blanche sont fermées aux anges qui se rendent sur Terre. Mais toi, tu n'es pas un ange. Trouve le bâton, et j'ouvrirai un chemin dans ma citadelle. C'est là que t'attend la clé de l'arbre de vie. Quant à ce qui t'attend sur Terre, quand tu l'auras vu, même toi, tu me diras le nom de War. Si tu crois que je vais maudire le nom de mon frère... Ils ont dû tuer les Nephilim aussi.
Ils sont en quoi déjà mes gants? Bon, on va juste les prendre. On va pas s'en équiper. Ça peut être puissant, mais voilà, faut se méfier. Alors, est-ce que je peux partir à partir. Je peux passer à partir d'ici ou pas? On va voir ce que ça donne. Alors, bâton d'Arafel. D'accord. Alors, on doit aller sur Terre. Donc, c'est là où nous avons eu War. Notre fameux frère guerre. D'accord. Silence. Je crois que tu es déjà pisté. Il n'y a pas que des cadavres ici. Uriel. Uriel, que font les gardiens des enfers sur Terre? Il ressemble à Némésis un peu. Je vais d'abord regarder parce qu'il y a des coffres ici en haut. D'accord, bon. On s'en fout, bien sûr. C'est vrai que là, normalement, j'ai dû recevoir des cadeaux. Alors. Ici. Ok. On a de nouveaux défis, c'est plus cool. Par contre, ça a l'air d'être bien puissant contre eux, donc on va garder ça. Bien au chaud. Vous attendez sagement que je vous tue. C'est cool. Ça me dérange pas. Oh, vous, quand même, vous faites quand même bien mal pour des ennemis de base sur la Terre. Ok, là c'est bon. On peut récupérer. On y va. Petit bug. Ça arrive. On va pas s'embêter, on va aller récupérer vite fait les coffres. Ah, par contre, si tu veux venir. Mais tu vas mourir. Ça aide beaucoup. Wow. Ça j'aime pas trop. Heureusement que je peux récupérer quand même de la vie. Sans trop utiliser de courroux en fait. J'avais perdu beaucoup, mais là ça se rattrape. C'est vraiment des ennemis rapides là par contre, donc il faudra faire très attention.
Ok. Je devrais te tuer pour ce que ton frère a fait, mais je te dois la vie. Nous sommes quittes maintenant. Que savez-vous à propos du bâton d'Arafel? Une arme très puissante, amenée sur Terre par l'Archon Estus pour combattre les démons de l'Armageddon. Hélas, ils ont été brisés tous les deux. Ces fragments servent à présent l'armée obscure du Destructeur. Rien n'est jamais irréversible. Où sont les fragments du bâton? Entre les mains du Destructeur. Il a invoqué des créatures de l'Abysse, mais également appelé ses élus. Ce sont des abominations qui se partagent maintenant les restes de ce royaume maudit. Les supplices en font partie. Ils se nourrissent des cadavres de ce monde et en font une nuée de chair et d'os, mus par un esprit commun. Ce sont eux qui viennent de nous attaquer. Un seul esprit, plutôt simple. Je ne mettrai plus de vie en péril pour reprendre ce bâton. Mais si tu tiens vraiment à tenter le sort, suis simplement la piste macabre laissée par mes frères. Tenter le sort... ce ne serait pas la première fois. Tant que ce n'est pas la dernière. Prends ça. Délivrance! Merci pour la mise en garde. Uriel, combien d'anges sont morts ici? Beaucoup trop. Mais pour chaque ange mort, un autre reste en vie contre son gré. Et sa souffrance rend le Destructeur plus fort. Tu peux peut-être les libérer de leurs tourments, cavalier. Si vous voulez. Cependant, je n'ai qu'une mort rapide à leur offrir. C'est tout ce qu'ils demandent. Alors attendez. Destructeur, c'est Abaddon. Donc ce qui veut dire qu'Abaddon est encore en vie? Pourquoi êtes-vous resté sur Terre? Uriel, vous avez perdu, au cas où vous ne l'auriez pas remarqué. Et où veux-tu que nous allions? Tout le monde a vu ce qui s'est passé ici. Nous avons chargé avant que les sceaux soient brisés. Les portes de la Cité Blanche nous sont désormais fermées. Jamais nous ne rentrerons chez nous. Que sont ces élus? Ils n'ont pas l'air de démons. Non. Ce sont des êtres bien plus anciens, venus du cœur de l'Abysse. Les plus puissants servent le Destructeur, et règnent en son nom sur la cendre et les eaux. Le reste massacre tout ce qui bouge. Je ne sais pas comment vous faites pour tenir. Même les morts se dressent contre vous. Tu parles de la nuée? Je n'avais encore jamais vu de créature aussi assoiffée de vengeance. Même la mort ne les arrête pas. Bon. Ça c'est plutôt sympa. Ah par contre c'est pas une arme qui reste tout le temps quoi, c'est ça. Oh. Ça m'a l'air d'être plutôt efficace quand même. D'accord, il y a une surchauffe. Tout sympa, bon on va la garder. Il y en a d'autres. Ok. Petite pierre de magie. C'est vrai qu'après on pourra essayer de voir pour faire quelques quêtes secondaires parce que ça fait un petit moment qu'on en a pas fait. Je crois que ça doit faire... ouais. Un sacré bout de temps on va dire. Non. Là j'ai voulu aller au plus rapide, j'ai pas fait attention. Délivrance. Bon bien sûr on va essayer de faire très attention à nous, tout de même. Mais moi j'aime bien, ça fait version un peu shooter, je suis content, mais... je trouve ça fun. Oi. Oi. Mince. Bon, d'accord. Désolé, il faut de la vie. Donc comme il faut de la vie, faut que je tue au corps à corps.
voilà. Ça a été plutôt rapide. C'est plutôt sympa. Mourir avant d'avoir temps. M'en foutre plein les dents. Salaud. Oh, tu fais mal quand même toi. Zen hein. C'est au prix de supplice. Oh. Ah, il rigole pas. Ouais non, là tu commences vraiment à me caver hein. C'est clairement hein. Mais arrête. Waouh waouh waouh. Mais encore. On meurt. Putain, ça fait mal hein. Voilà, pour juste la prendre. Moi, on est tranquille. Ah non, il rigole pas. Hein. Il ne rigole pas. Bon, moi non plus. Les supplices piquent. Une page. Récupérons-la. Ok. Bon. Encore une arme lente. Ok, c'est bon. Et j'espère qu'ils vont se calmer un petit peu là, parce que bon... On fait un peu mal, hein. Je vous assure qu'à force, ça pique. Hein. Force au prix. Ça c'est une guette secondaire par contre, les anges que l'on doit délivrer. Vas-y passe. Allez mourez. Je vous en demande pas plus.
ordonne pour ir. Non mais j'ai vraiment l'impression que là on va retrouver les traces de notre frère. War, donc guerre. Et là on est en train de battre donc la nuée, c'est ce qu'on était en train de tuer. Enfin, ce qu'on tuait dans le premier opus de Darksider. Hein. Ni plus ni moins je trouve. Je reste avec cette arme quand même. Tu meurs. Toujours vérifier quand même un petit peu les lieux. On ne sait jamais. Et là on est quand même à 3 anges. Ce qui est plutôt pas trop mal je pense. Qu'est-ce qu'on doit encore vaincre? Oh non. Ah, il est là-bas, d'accord. On s'est à jouer. Ça me dérange pas trop, hein. Bon bah ça a l'air d'aller. Est-ce qu'il y a des anges parmi ces lieux? Ça explose, ça ne mange pas. Tant qu'il ne m'explose pas la figure, ça me dérange pas trop. Par contre, c'est gentil mais je voudrais bien quand même continuer. Donc arrêter de m'agacer. Mais encore. Voilà, tu meurs. Donc là ici on a encore un artefact. On peut aller le chercher. J'espère qu'il n'y aura pas trop de coupures dans la vidéo, les amis, puisque j'ai l'impression que là ça bug un petit peu. Un fragment. Eh ben les amis, on va aller sauvegarder et on va s'arrêter ici puisque l'épisode a quand même bien duré. Hein. J'espère qu'en tout cas ça vous aura plu. Je sais même pas si on a plein de sauvegardes donc c'est pas grave, on va sauvegarder ici. J'espère que tout, enfin voilà, que ça aura bien été. On va juste aller peut-être choper cette page si on peut. Est-ce qu'on peut choper au moins la page pour dire de terminer dans de bonnes conditions? Bon, apparemment. Ça ne fonctionne pas comme je pense. Bon, c'est pas encore trop. On va essayer avec l'arme. Je pense que c'est pas possible. Mais... bon, c'est pas encore très grave. Donc voilà, les amis, je vous dis donc à très bientôt pour de prochaines aventures dans Darksider 2. Salut à tous!